La classe d'école s'envole, aussi légère qu'un décor de carton-pâte. La classe, ou plutôt sa moitié. Chaque module pèse 2,5 tonnes et doit se poser au millimètre près sur des plots de fondation. Ça pousse un tout petit peu. Un jeu d'enfant pour le chef d'équipe. Deux bâtiments, ça se passe facile. On les assemble et puis c'est rapide. Une fois assemblés, les modules forment un bâtiment de 55 mètres carrés, doté d'une isolation thermique et phonique. Les futurs élèves ne devraient logiquement pas grelotter cet hiver. Les normes ont évolué et l'entreprise est rompue à l'exercice. Tous les ans, les mairies nous appellent en effet quand il y a besoin de salles de classe, s'il y a une ouverture de classe supplémentaire. Donc on peut répondre dans les 72 heures. Le maire d'Appeville-Hennebeau a dû en effet improviser au vu des inscriptions. 110 élèves à la rentrée au lieu de 100 l'an dernier. Pas le temps de monter une classe en dur cet été. Nous avons eu l'information de la 5e classe seulement cette année-ci. Donc il était un petit peu difficile de prévoir cette 5e classe. D'autant plus que nous avons prévu de faire des travaux relativement importants de réhabilitation de l'école. L'école sera agrandie et rénovée début 2017. D'ici là, une vingtaine d'enfants étudiera dans ce bâtiment, posé en 2 heures, clé en main.